Yo tout le monde, c'est Remmeltet, on se retrouve pour un petit combat contre Bouffeto 20 et Kane, je me rappelle plus exactement, voilà c'est pour le New Princey Tournament, voilà j'espère que je le dis bien. Donc je recorde l'écran du haut, voilà pour preuve vu que NP a demandé de toujours filmer en vidéo le combat, donc j'espère que ce sera de bonne qualité. Je vais voir sur Twitter s'il m'a répondu. Bouffeto 24, voilà. Je savais que c'était dans les 20. Donc j'attends une réponse, c'est bon, il a répondu. C'est parfait, donc hop, j'ouvre un nouvel onglet si jamais je veux faire une recherche sur un des Pokémon que qu'il a, voilà, Pokémon adverse. Donc c'est bon, le record est bien, je décide des règles. Combat solo, règle normale, confirmée. Donc si je dis pas de bêtises, c'est bien la bonne règle. Hop, je vais sélectionner mon équipe. J'espère que j'aurai pas de problème de connexion. Alors j'hésite à prendre une équipe et l'autre. Faut bien se décider, donc je vais prendre... Allez hop, c'est parti. Oui, let's go. Petite notification de Bouffeto. Que le combat commence. Alors... Je vais prendre la petite photo. La petite photo des familles comme d'hab. Ah ouais, c'est vraiment du OU valide avec des météros, je pense. Ça va bien être lourd. Ça va être lourd, hein. Il va sûrement poser les PDR. Bon allez, c'est parti, je vais me concentrer. Si je parle pas trop, c'est normal. Hop là, mec clés au combat. Rebe solide, ah, dédicace au modo de NP. Voilà, donc j'étais sûr qu'il allait lead avec ça, c'était presque certain même. Hop là, c'est parti. Il retire, c'est parfait. Je pose la protection. Avec une margine, ça dure 8 tours. Bon bah je vais poser du coup le mur lumière vu qu'il est spé normalement en Finobi. À moins d'avoir une mauvaise surprise. Voilà, hydrocanon, ce qui est plutôt logique. Je sais pas s'il est protéine, je sais pas du tout. Je pense que oui, ça paraît logique. Elle est peut-être synergie, enfin, bracelet Z. Je sais pas trop. Envoyez Noissier au cas où. Posez les PDR, ce qui va le forcer à envoyer du coup Dracaufeu. S'il envoie Dracaufeu, j'envoie Karchakrok. Bon allez, j'envoie Noissier, c'est parti. Normalement, Hydrocanon, je le tiens tranquille. Il va peut-être tenter la vibre obscure. Ah, oh, j'évite. Parfait. Il va peut-être tenter la vibre obscure pour essayer de me flinch. Mais je pense qu'il va envoyer Dracaufeu. Faire les pièges de rock. Voilà, il switch, il envoie Dracaufeu. Enfin, il envoie Arclarp, qui est Dracaufeu, ce qui est plutôt logique. Voilà, c'était vachement anticipable, en fait.
Du coup, je vais switcher. Je vais envoyer Karchakrok. Voilà, parce que le lance-flamme, il va super bien le prendre. J'espère juste que je vais pas être brûlé. Normalement, il va méga évoluer. Et il va faire lance-flamme. Je le vois bien, Y. Hein. Ah non, il est physique, d'accord. Il est physique, donc ça, c'est pas cool pour moi. S'il est physique, c'est pas cool du tout pour moi. S'il est physique, ça veut dire qu'il va méga évoluer. Et va me faire très très mal. J'ai qui comme Pokémon? Soit il anticipe le switch. Il replace une danse Draco. Soit il anticipe que je l'anticipe et qu'il méga évolue en X. Du coup, il anticipe que je fasse séisme. Bah, ce compte-là, il va. Je sais pas, c'est difficile. On va jouer la sécurité parce que si je fais séisme, je vais jouer la sécurité, je vais faire lame de roc. Voilà, tout simplement. C'est parti. Voilà. Bah, j'aurais dû faire séisme. Hein. Je vais perdre mon Karchakrok, malheureusement. Du coup, bah, vu qu'il méga évolue, il attaque en premier. Ouais, Draco Griffe. J'ai la protection, mais je le tiens. Ah, je le tiens, d'accord. Je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Coup critique? Même pas. Je vais envoyer Noisier, comme ça il se fait mal sur Noisier. À moins qu'il fasse atterrissage. Normalement, il va essayer de me mettre KO. Logiquement. Boutefeu, voilà. Très bien joué de sa part. Il va mettre Noisier KO. Pine de fer, bon. Avec Boutefeu, les dégâts de recul n'étaient KO de toute façon. Je sais pas qui c'est qui pourrait envoyer. Il va peut-être essayer d'enlever les pièges de roc. Donc il envoie son... ce Pokémon là. Je sais pas du tout. Je pense que le mieux serait d'envoyer Joker. Ah, je sais vraiment pas. Bon allez, c'est parti. J'envoie mes clés. Il envoie Bouffeteau. Très bien. Donc normalement, il doit pas me faire grand chose. Je vois bien le change éclair. Et m'envoyer son Pokémon là. Ok, donc je vais faire tricherie. Ah, cage éclair, carrément. Ok, c'est un cage éclair. Tricherie. Ça va faire ses petits dégâts. Ok, il est joué avec les restes. Il va vraiment m'embêter. On va reposer la protection. Parce qu'il va faire changer éclair. Je suis sûr, il va envoyer son... des météros. Hydrocanon, d'accord. J'évite l'attaque, tant mieux. Normalement, je vais pouvoir remettre ma mur lumière. Voilà, c'est parfait. J'espère que je vais pas être paralysé. Parfait, je place ma mur lumière. Hydrocanon. Je vais switcher Pokémon. J'envoie sur Imi. On va essayer de lui enlever son objet. Je vais pas essayer de faire toxique parce que je vois bien m'envoyer son Pokémon acier pour pas avoir toxique. Est-ce enfoiré, il joue bien.
Il va m'envoyer son Pokémon de type sol, ça c'est sûr. Voilà, l'Exputi, c'était sûr, c'est sûr que je voulais surtout pas qu'il l'envoie, et il l'envoie. Donc il a brise moule. Or, soit il va se dire que j'ai anticipé son séisme, du coup il va faire tout rapide. Allez, on va quand même tenter le sabotage avec ce ne tente rien à rien. Parce que tu sais, ça me soit. Il va se dire, bon bah il sait que je vais faire ses. Il va envoyer son Pokémon Ball. Il va me faire l'âme de rock. Soit il va profiter du switch pour faire tout rapide. Je vais faire sabotage. Allez hop. Tunnelier. Pourquoi il a tunnelier? Il a pas ses. Peut-être pour le coup critique, même pas. Je fais sabotage. Coup critique, ah j'ai de la chance. Il est mouchoir fois, d'accord. Bon bah je vais switch. Je vais envoyer Pharaonifi. C'est parti. J'espère que j'aurai pas de problème de connexion par contre. Tunnelier, ça devrait être parfait, ça va lui enlever son talon. Brise moule. Ah, j'ai oublié de remettre les restes. Oh là là, quel bourre. J'ai oublié de remettre les restes. Bon bah, tant pis. Je sais pas quel objet il a du coup. Il va envoyer Amphinobi normalement. Ah non, même pas. Ah, très bien joué de sa part. J'aurais préféré l'empoisonner, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Bon, là, je sais pas s'il va faire hydrocanon ou s'il va me faire cage éclair. Bon, dans le doute, on va jouer la sécurité et on va le taper. Voilà, il nous fait cage éclair, c'était prévisible. J'espère juste que je vais pas être paralysé. Ah, putain de hack. Ça me fait chier. Le hack de merde, franchement, ça me fait chier, là. Là, il va faire soit hydrocanon, soit changer éclair, ça. Putain, c'est vraiment un Pokémon qui me casse les couilles, ça. Je suis désolé pour les gros mots, mais voilà, changer clair, il va m'envoyer un mec qui va me sweep, m'envoyer en Finobi. Putain, ça me casse les couilles, sérieux. Là, il me fait intimidation, bon ça je m'en fous, je tape sur le spé. Putain! C'est quoi ce axe de merde? Et il va me faire séisme. Bon, tu sais quoi, c'est parti, hop. De toute façon, ce combat est déjà perdu. Voilà, piège de rock. Fait chier. Là, il va me faire une tête de fer, je vais être KO. Allez, on va faire le vœu au cas où, s'il switch ou s'il fait demi-tour, hein, on sait jamais. D'accord, il switch. M'envoie bouffe-tout. Il va vouloir me faire cage éclair, hein. Ça c'est sûr. Ou changer éclair. On va espérer qu'il fasse soit cage éclair, soit change éclair pour envoyer Karchakrok. Allez, je prie qu'il fasse ça. Franchement, j'espère. J'espère.
pas de hydrocanon, ou s'il fait hydrocanon, qu'il le mise. S'il te plaît, s'il te plaît. Yes! Je sais pas quoi faire du coup. J'ai pas envie de rester sur colère et qu'il m'envoie son Pokémon totem là. Je sais pas du tout quoi faire. S'il m'envoie ce Pokémon totem. Alors on va faire l'âme de roc parce que s'il m'envoie son Demeteros qui baisse mon attaque, il y a une petite chance que je passe à travers la baisse d'attaque en faisant un coup critique. Allez, c'est parti, l'âme de roc. Vas-y, et mise pas. Hein. Fais intimidation, voilà. Mise pas, mise pas, mise pas. Yes, coup critique, s'il te plaît. Même pas. Même pas. Ah, il doit. Il a quoi comme attaque ce Pokémon? Je sais jamais. Je me demande s'il a pas une PC Glace. Il y a peut-être une PC Glace. Ou Telluriforce. Il va peut-être viser le stab. Hein. Putain, ça me saoule. Je sais pas s'il est physique ou pas. Je joue jamais les légendaires non plus. Putain. S'il fait Telluriforce. Ouais, mais il a toujours l'âme de roc, il est plus rapide que le Joker. Ah, c'est un Pokémon qui m'embête, ça, des météoros. Il me reste combien de temps? Bon, allez, j'envoie mes clés, c'est parti. On va sacrifier, on va voir ce qu'il va faire. Hein. Faut que j'enlève ses PDR. Enfin, faut déjà que je le mette KO pour enlever ses PDR. Puissance KH et glace, d'accord. J'ai bien fait de faire ça, hein. On va... Putain, je peux rien faire face à ce Pokémon. Donc il est spécial, ça c'est une bonne nouvelle. C'est jamais qu'on le tienne, hein, avec leur lumière. De toute façon, je peux plus switcher, là. Ok, il est mix. Ok, il est mix. D'accord. Des météros, est-ce qu'il est plus rapide que Surimi? Je sais pas du tout. J'ai envoyé Karchakrok. J'suis obligé d'envoyer Karchakrok là. C'est parti. Au bout d'un moment, faut taper quoi. Va me faire PC glace. Il va être surpris, mais je vais la tenir. Enfin, logiquement, je devrais la tenir. J'espère juste qu'il va pas m'envoyer son Pokémon équipé, sinon il va me briser les. De toute façon, je crois que c'est perdu pour moi. Allez, c'est parti, je vais faire colère. Je pense même pas que colère le mette KO. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. D'accord, il switch. On voit Alex Cutie. Donc du coup je suis bloqué sur colère, ça c'est pas cool par contre. Ça le met pas KO. Ça le met pas KO. Putain. Il fait quoi? Ah bah il envoie son Pokémon de type fée, je suis con. C'est logique. Du coup, je vais être confus. Créa herbe. Je suis confus. Est-ce que je suis confus du coup?
Ça dit pas si je suis confus. Bon bah du coup, je vais faire tête de fer. Il n'y avait pas écrit que j'étais confus, hein. Donc ça devrait le faire. Allez, flinch, yes! Un peu de hack, un peu de hack envers moi, ça fait vraiment plaisir. Que faire, franchement, je sais pas quoi faire. Je le vois bien switch et envoyer des météoros. Bon allez, on va jouer la sécurité, on va faire tête de fer. Je sais pas du tout quoi faire. Hein. Je préfère jouer la sécurité. Franchement, plus de ça, je regagne de la vie, donc c'est pas plus mal. Bon allez, je vais faire tête de fer. Voilà, il switch, il va envoyer des météoros, je pense. Voilà, c'était prévisible, j'aurais dû faire l'âme de rock. Ah, il a le casque brut, ok. Ah, j'avais pas capté ça. Est-ce que j'ai toujours mes protections? Ah, je crois que je vais le surprendre là. Je crois que je vais le surprendre. Je vais faire colère. Il y a un moment, faut taper. Hein. Je pense que la PC glace, je la tiens parce que. Avec les murs lumière, ça me fait x2, on va dire. Plus l'objet que je porte, ça me revient à la normale. Et vu qu'il est pas stabé, PC glace, enfin le PC glace, logiquement c'est pas stabé, il est possible que je le tienne. J'espère. Bon, que fait mon adversaire là? Communication en cours, j'attends. Ça se trouve, il me parle sur. J'ai pas fait attention. Je suis désolé pour les gros mots, hein. C'est juste que j'aime bien faire sentir mon ressenti. J'ai peut-être été violent à rager tout à l'heure. Donc je suis plus rapide que lui, ça je savais pas, je le mets KO, ça c'est une bonne chose. Il va envoyer son toco au truc là. Voilà, il envoie un play tip, c'est ce qui est plutôt logique. Ah mais du coup il a un tour cet enfoiré, GG à lui. GG à lui, il arrive à me mettre KO. Il a très bien joué. Du coup, je suis confus. Encore ne bois. D'accord. C'est physique, ça. GG à toi, franchement. C'est... Sérieusement, GG à toi. Tu joues très très bien. En même temps, moi, j'avais pas une team full strat. Je pense que tu l'auras remarqué. Putain. Faut que j'enlève ces pièges de roc là. J'envoie envoyer sur Imi en espérant que je suis plus rapide. Logiquement, je suis plus rapide. Je vais enlever ces pièges de roc de malheur. J'espère que je suis plus rapide. Je connais pas ce Pokémon donc. Voilà, il switch, tant mieux. Brise moule.
Je fais le tour rapide. J'enlève les pièges de roc, ce qui est plutôt bon. J'espère juste qu'il n'est pas plus rapide que moi. Je vais faire ébullition. Je suis plus rapide, tant mieux. Je vais regagner un peu de vie en plus. Celui qui va me faire chier, c'est son amphinobi du coup. Bouffetot. Ah, il y avait aussi lui, j'avais oublié. Est-ce qu'il est plus rapide que moi? Je sais pas du tout. Du coup, on va faire sabotage pour enlever son objet. Parce que les restes, c'est quand même chiant. Ça compense l'arbre brûlé. Voilà. On enlève son objet. Voilà, il fait changer clair et nous met KO. Parfait. Du coup, c'est nous qui avons l'avantage de savoir quel Pokémon envoyer par rapport au sien, je crois. Ou sinon, on envoie les deux en même temps, je sais plus du tout. Non, c'est d'abord lui qui choisit. Ah, en fait, ça se resserre, j'ai peut-être une chance. Ok, il envoie lui. Créa herbe. On va jouer la sécurité. On va faire cage éclair. Je pense qu'il va envoyer Motisma. C'était prévisible. Soit il fait cage éclair, soit il fait changer clair. Je pense qu'il va faire changer clair, donc on va faire un petit vœu. J'aurais dû faire vœu, franchement c'était prévisible. On va faire cage éclair quand même. J'espère juste qu'il va pas faire cage éclair aussi. Putain, il a fait balance. Ah d'accord, je le connais en fait ce Motisma là. Putain, ça me casse les couilles, franchement. Des trucs aussi faciles à anticiper, j'arrive pas à le faire. Bah du coup, là, il va faire changer clair. Je vais faire vœu. Je peux faire que ça, de toute façon. Donc là, il va faire soit cage éclair, soit changer clair. Et je comprends pas pourquoi je suis plus rapide que lui. Là, je vois bien le changer clair. Je le vois bien faire changer clair et envoyer Amphinobi pour me faire un laser glace. Donc, je vais faire glace de soin. J'espère que je vais pas être paralysé. Et tiens-le, s'il te plaît. Ok, hydrocanon. Là, il va être surpris en fait. Je pense que je vais le surprendre. Glace de soin, je vais me soigner, je vais faire lame d'air, on va espérer le flinch. Bon, soit je fais vœu et switch. Non, allez, faut attaquer au bout d'un mot. On va pas se le cacher, mais faut attaquer. Là, il va essayer de faire balance, je pense. Allez, on va faire lame d'air. On est plus rapide que lui, je suis assez surpris de ça. Je pensais pas. Soit il fait... Ouais. J'aurais dû me mettre en tête qu'il était... En fait, je savais pas qu'il était plus lent que moi. J'aurais su, j'aurais pas fait cage éclair comme un teubé tout à l'heure. Ouais, ça fait 30 minutes qu'on a commencé le combat. Qui a la vidéo aussi.
Que fait mon adversaire? Il réfléchit. Lame d'air. C'est pas très efficace, j'espère le flinch. Hydrocanon, d'accord. Je pense qu'il va vouloir m'affaiblir. Il a dû hésiter entre m'attaquer ou faire balance. Je pense que c'est ça. Il va tenter un change éclair, je pense. Allez, lame d'air, on va essayer de le d'avoir un peu de axe et de l'apeurer. Si je le... Yes, je pense pas que ça le tue. Je pense pas que ça va le tuer. Voilà, ça le tue pas parce que c'est vrai qu'ils ont changé. Ça enlève plus un 16e, mais... Non, ça enlève plus un 8e, mais un 16e maintenant. Donc c'est bien, je vais pouvoir regagner de la vie. Je pensais pas me le faire en fait, ce Pokémon. Là, il va envoyer Amphinobi. Ça paraît logique. Faut que j'arrive à paralyser Amphinobi. Alors, soit il a une attaque poison, je vois bien le laser glace, quoi. De toute façon, il peut que faire ça. Je vais tenter la cage éclair. Hydrocanon, j'esquive, tant mieux. Un peu de axe. En fait, il y a du axe un peu dans tous les côtés. Bon, moi, je vous avoue que mon but, c'est de justement pousser la chance vers moi, quoi. Est-ce que je tente le vœu? Non, allez, on va faire lame d'air. Ouh, les dégâts! Il a la trouille, yes! Je pense pas que c'est fini le match. Je ne pense pas. Je sais pas du tout en fait. Je pense que ça doit être Amphinobi synergie. Ou avec un bracelet Z, je sais pas du tout. Bah, je sais pas. Vu qu'il a fait que Hydrocanon. En tout cas, Joker a fait du bon taf. Grâce à lui, je suis revenu dans le match. C'est d'ailleurs pour ça qu'il porte ce nom. C'est aussi une référence à One Piece. Donc ces matchs, peut-être que bah, je les mettrai si New Frenzy demande le record. Faut que j'enregistre aussi le code Magneto VS. Je les mettrai sur ma chaîne après le tournoi, voilà. Je les mettrai comme tel, vous allez me voir rager. Ma réaction en live. Bon, des fois je rage pas, mais là... Voilà. Après j'aime bien jouer pour le plaisir. Pour interdire Togekiss de ton tournoi, ce Pokémon c'est le symbole de l'anti-jeu. Un 27, axe comme un PD. T'es content, tu t'amuses avec le Togekiss le plus connard de la planète. D'accord. Bon là je pense que l'âme d'air ça va le terminer quand même. Bah désolé. Hop, je vais pas continuer à vous lire ce qu'il dit parce que
Bon, bah voilà ce combat. Enregistrer la vidéo, bah oui. Bon, bah voilà, fin du combat. Apparemment, ça lui a pas trop plu, le Togeki, je suis désolé. Je voulais surtout pas qu'il le prenne comme ça. Sachant qu'en plus, il me semble que les chances de probabilité de hacks, etc. avaient diminué, donc c'est plus comme un 6G où tu pouvais plus du tout attaquer. Bon, bah voilà, on va aller voir le code Magneto VS de ce combat. C'est vrai que ça peut être peut-être injuste. C'est à voir, il y a eu beaucoup de hacks, c'est vrai. Faut demander à NP quoi. Donc je vais mettre le code Magneto VS. Publier une vidéo de combat. Là contre Bouffto. Boufti, voilà. Donc résultat, j'ai gagné. 43 tours. Et on va l'importer, c'est ça. Oui. Donc voici le code Magneto VS. Bon bah je crois que c'est la fin de cette vidéo, j'espère que... Voilà, je voulais... Franchement, je voulais pas qu'il le prenne mal, j'ai vraiment pris ma team pour le fun. Voilà. Je suis désolé à Bouffto qu'il l'ait si mal pris. Bon moi il y a des moments où vous avez vu comme je l'ai mal pris. Mais c'était un peu le but de ce Pokémon en même temps, hein, je vais pas vous le cacher. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, c'était Ramen7 et bye tout le monde!